Du nouveau dans l'affaire du dénommé Brahim Rally, le juge de l'audience nationale espagnole vient de décider de rouvrir le dossier pour crime contre l'humanité concernant le chef du Polisario. Il s'agit d'une affaire enclenchée en 2008 suite à une plainte de l'association Sahraoui pour la défense des droits de l'homme pour des crimes de génocide, assassinat, détention arbitraire, torture, disparition forcée et terrorisme. Le dénommé Brahim Rally est convoqué le 1er juin prochain au sujet d'une autre plainte, celle déposée contre lui par le blogueur Fadel Mehdi Breka pour détention arbitraire, torture et crimes contre l'humanité. Pour rappel, le chef du Polisario a été admis dans un hôpital espagnol dans le plus grand secret sous une fausse identité algérienne. Ses nombreuses victimes réclament aujourd'hui son arrestation et son jugement.